Salut mes amis et bienvenue à la maison. La grande visite arrive, les grands repas viennent. Au menu, coquille Saint-Jacques. L'élément principal sera les pétoncles U10, en français 10 à la livre, de Nouvelle-Écosse. Champignons de Paris, blanc comme ça, production Québec. Le fromage suisse pour gratiner. Les éléments de bouillon seront la crème 35% cuisson, la voilà. Et mon fumé de poisson, il est ici. Le persil sera pour faire une petite décoration, on verra plus tard. La cuisson se fera à l'huile végétale, la voilà. Mon fond est neutre, donc sel et poivre. Et pour le bord de la coquille, la purée, et celle-ci, elle est ici. Et pour le roux magique, il est là, on verra plus tard. La première étape, champignons, coupe lamelles, comme ça. Superpose, julienne, assez fine. Champignons, bol. On est mince comme ça. Superpose, lamelle. Lamelle, bol. On continue. Superpose, lamelle. Bol. Bol. Champignons terminés, poêle allume, comme ça. Nous parlons d'une cuisson au four pour gratiner. Four allume, mold, salamande. Comme ça. La poêle est chaude, huile, pas trop, comme ça. Pince, pétoncle, dans la poêle. Terminé. Sel. Poivre. Café. Les pétons commencent à être colorés. Je les tourne, comme ça. Poivre des moulins, terminé. Les pétanques sont bien colorées, je les réserve à côté. Champignons dans la poêle, je les fais suer un petit peu comme ça. Après les avoir bien sués comme ça, je déglace du fumé de poisson comme ça. Et je crème. Légère réduction comme ça. Roux magique, un petit peu comme ça. Encore un petit peu. Encore un petit peu, comme ça. La consistance est assez sirupeuse. Les pétanques reviennent dans la sauce. On laisse frémir un petit peu comme ça. Le roux magique, c'est 50% farine et 50% huile. Vous le verrez dans les endives au gratin. Après 2-3 minutes d'ébullition, feu éteint. Persil haché, une cuillère comme ça. On mélange. Super cool, on passe à la purée. Maintenant la purée. Purée avance, table. Coquille. Comme ça. La purée est super belle. Poche. La douille 845 dans la poche. La voilà. Purée. Insère. Terminé. Coupe un peu comme ça. Et on serre. Et on appuie. Impeccable. On commence par ici. Et on tourne. La tourne comme ça, on continue. Une petite rosace comme ça pour faire joli. Et voilà. Maintenant, on fonce les coquilles. Louche, poêle, table. Une, deux et trois. On est trois, neuf pétoncles. 3 fois 3, 9. Vérification de la cuisson. La dernière, table, petit couteau jaune. Coupe pétoncle en deux, comme ça. Cuisson vraiment excellente. Rosée à l'arête. La sauce, on continue comme ça, on nappe, on remplit. Et voilà, fromage suisse, comme ça par-dessus.
c'est assez. Coquille au four. On ne fait pas la sieste, mais on surveille. Après 2-3 minutes, c'est prêt. Sécurité, une rosace de pommes de terre ici au milieu. La rosace, c'est pour pas que ça glisse. Coquille, enfonce comme ça. Décoration personnelle. Partie la branche. Et voilà. Maître d'hôtel, la coquille Saint-Jacques de la table 55 est prête, on enlève. Merci à vous qui me suivez en Nouvelle-Calédonie et partout ailleurs. Salut, bye. Et merci bien d'avoir suivi les vidéos. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et suivez mes réseaux sociaux. Si vous avez des questions ou des suggestions, allez sur ma section commentaires ici. Nous avons maintenant une boutique qui est ouverte sur notre site internet pour les tabliers comme ça. Les tabliers sont faits à la maison à notre façon. Et pour la vidéo de la semaine dernière, il est ici.